Chuck, nous avons parlé des débuts, des premiers pas de ta carrière au théâtre. Peux-tu nous dire quelles ont été les grandes étapes de ta carrière dans ce domaine et quelles sont les rencontres qui t'ont marqué particulièrement? Théâtre, j'ai eu cette belle rencontre avec Robert Hossein qui m'a complètement intégré dans sa famille théâtrale et dans sa famille tout court d'ailleurs. D'ailleurs, Robert, si tu m'entends, la chemise Lacoste que tu m'as offerte, je la porte et tu es dans mon cœur, tu es toujours avec moi, Robert. Et j'ai fait des grandes tournées avec Robert dans toute l'Europe, avec des pièces comme L'Ouragan sur le Ken, Angélique, on a fait aussi Bonaparte et aussi sur le pape. Venez vers moi, vous laissez venir. Et ça a été des grands moments de théâtre. Et aussi, Robert, la première pièce que j'ai faite avec lui, c'était une pièce policière qui était les brumes de Manchester. Les brumes de Manchester. Et on avait fait ça au théâtre Marigny. Théâtre Marigny, j'ai joué souvent là-bas avec Robert. Formidable. D'ailleurs, dans les brumes de Manchester, et je jouais aussi avec Georges Marchal. Georges Marchal qui a été quand même un comédien très très connu en France. Après-guerre. Et un jour, Robert et ses couleurs étaient mémorables. Robert Hossein, c'était quelqu'un, quand tout le monde avait peur des couleurs, il pouvait piquer des couleurs, quitter le plateau, revenir. C'était ça, Robert. Mais ce n'était pas méchant. Et un jour, il me donnait des indications. Robert, c'était complètement l'antithèse de Stanislavski ou de l'acteur studio. Robert, c'était tout de suite, il cherchait et puis il m'appelait d'ailleurs, toi qui joues avec les intellos. Pour moi, je faisais du théâtre des intellos pour lui. Donc, et un jour, il me donne une indication, il me donne le contraire. Je dis, mais Robert, tu me dis ça et tout d'un coup, tu me dis que c'est autrement, c'est ceci, cela. Il me dit, oui, mais de toute façon, sois intelligent pour une fois. Alors là, je me mets en colère. Je dis, je te rends ton rôle et je m'en vais. Je ne veux plus jouer avec toi. Et je m'en vais pour sortir du théâtre. Il me dit, c'est pas parce que tu es noir que tu dois être raciste. Et ça m'a fait rire. Je suis revenu. Ce qui fait que Robert et moi, ça a été. Sur le plateau, c'était vraiment du spectacle, Robert et moi. Et on s'entendait très, très bien. J'étais le seul à le répondre, parce que tout le monde avait peur de lui. Mais c'était quelqu'un qui était généreux, il avait un bon cœur. Il m'a dit, moi, je trouve mes personnages dans la douleur. Je dis, ah oui, ben, nous aussi, on suit la douleur. La colère qui était. Mais il était généreux, il avait du talent. Et moi, j'avais vu ses films déjà en Afrique, dans les films où il était. Et quand je l'ai rencontré, pour moi, c'était quelque chose de formidable. Et on a fait aussi Le Courrier de Lyon. Le Courrier de Lyon qui a 45 000 spectateurs. Oh, c'était plein. Le théâtre de la Porte de Versailles, il y avait un monde. Et après, bon, avant ça, j'avais fait une pièce avec Pierre Mondy. Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça a été. Et toute l'Europe était là. Des plus grands au plus simple, de Sophia Loren à Joséphine Baker, Mastroianni, tous ces gens-là étaient dans la pièce. Et comme j'avais dit, on avait commencé cette pièce avec Johnny Hallyday. Johnny qui venait à la répétition. On a répété pendant 3 semaines. À un moment, Johnny, il est venu. Un après-midi, il a dit, Pierre m'a dit, Pierre, il faut que je te parle. Il a dit, je ne veux plus jouer. On avait déjà fait 3 semaines de répétition quand même. Et Pierre a dit, mais pourquoi? Il dit, non, non, non. Ils sont tous de très grands comédiens et moi, je ne fais pas le poids. Et je dis, mais on est adapté à toi, à ta façon d'être, de parler.
Il a fallu chercher d'autres comédiens. C'est Michel Creton, donc, qui avait fait le rôle que Nicholson a joué au cinéma. Et à la première, comme je disais, toute l'Europe était là. Et après, nous étions devant nos loges. Il venait nous voir après d'un rappel. Et il nous saluait. Et Joséphine Baker, magnifique, arrive. Congratulez tout le monde. Elle vient, elle passe devant moi sans me regarder. J'ai très mal joué. Et parce que je faisais un rôle de méchant. Je dis, ça lui a pas fait plaisir. Et tout d'un coup, elle tourne le talon, elle vient vers moi, elle me prend dans ses bras. Elle me dit, tu as été formidable, formidable, tu es magnifique, bravo. Et ça a été, ah, pour moi. Elle va au Panthéon et elle le mérite, Joséphine Baker. Alors ça a été des grands moments de théâtre pour moi et bien d'autres aussi, hein. Et tu as parlé de tes partenaires masculins, mais tes partenaires féminines, par exemple. Oh ben, les féminines, il y avait Françoise Christophe, qui était une comédienne très très connue. Il y avait aussi Myriam Boyer aussi, qui était dans Combat de nègres et de chiens. Oui, il y a eu aussi. C'était beaucoup plus. Mais il y avait Cécile Bois qui fait une série maintenant sur la 2, qui était dans Angélique. Angélique, là, on est entouré que de belles filles, parce que Robert, il est entouré de beaucoup, beaucoup de femmes. Il y en a eu beaucoup aussi, des comédiennes. Ça a été formidable. Des souvenirs de théâtre comme ça. J'ai joué au théâtre de Paris aussi, au théâtre des Champs-Élysées. Une comédie musicale Monte Cristo avec Philippe Clay et bien d'autres comédiens. Il n'y a pas de théâtre à Paris où j'ai pas joué. Vraiment. Tu as travaillé avec Patrice Chéreau aussi. Ah ben, j'ai travaillé avec Chéreau au théâtre des Amandiers à l'époque des grandes pièces de Chéreau en 83. On a fait et cette pièce qui est Combat de nègres et de chiens de Coltès. Qui a été une pièce aussi où il y avait un monde fou et on a joué pendant au moins 6 mois. Chéreau, c'était complètement le contraire de Robert Hossein. Chéreau, c'était l'acteur studio, c'était Stanislavski. Quand tu travaillais avec Chéreau, il te parlait, où la mise en place se faisait et après il disait, bon, mais c'est bon. Mais non, mais on n'a pas répété, Patrice. Ah non, 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 c'est parfait. Pour moi, et c'était ça. Et ça a été des moments de joie pour moi. Et avec Michel Piccoli, Philippe Léotard, c'est l'année où Philippe Léotard avait eu le César du meilleur comédien. Là, ça a été. Et puis on est parti en tournée un peu partout en Europe, en Allemagne. Et aussi de donner la réplique à Michel Piccoli. Piccoli était un comédien c'était un fauve. Plus tu jouais avec Piccoli, plus il donnait plus, tu lui donnais plus, il te prenait, il t'épuisait, Michel Piccoli. C'était un fauve, il rentrait comme ça en scène, comme un fauve. Hein. Et puis il partait et il me disait, Cheikh, quand je joue avec toi, c'est vraiment la joie. C'est comme une balle de ping-pong. Et Piccoli, c'était ça. C'était des très grands moments de théâtre pour moi. J'ai fait la création de l'église de Louis Ferdinand Céline. Ah oui, puis j'ai joué aussi avec Jacqueline Maillan au théâtre du Rond-Point. Théâtre du Rond-Point aussi, cette pièce que Patrice Chéreau avait montée aussi qui s'appelle Retour au désert. C'était sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie, c'était une très 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 belle pièce. Et Maya était là. Elle avait un rôle de dramatique dans cette pièce. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup beaucoup de comédiens connus de l'époque. Et c'était ma période théâtrale et qui continue d'ailleurs. Voilà.